Hello, hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis d'ores et déjà vraiment désolée parce que j'ai un milliard de choses à vous dire. Mais j'ai fait une pause tournage, parce que franchement, les semaines, là, les deux dernières semaines se sont écoulées à une vitesse incroyable et j'en ai bien sûr profité pour lire un maximum. Voilà, il y a des moments où j'ai pas spécialement l'envie en fait de vous tourner des vidéos. C'est comme ça. Je préfère en fait tourner par envie et non pas par obligation. Donc voilà, je suis déjà désolée parce que je sais qu'il y aura un temps de retard dans les vlogs et aussi dans mes vidéos. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Avant de vous raconter du coup mon milliard de choses, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, donc aujourd'hui on est le 29 janvier 2024, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un colis qui me vient des éditions Archipoche, donc l'édition de l'Archipel avec laquelle je suis donc partenaire cette année. Il est vraiment très petit et je crois que c'est une surprise. En tout cas, Mylène des éditions de l'Archipel nous a dit « J'espère que vous avez reçu et que vous allez utiliser ma petite surprise ». Donc, nous allons découvrir cette surprise ensemble. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a un groupe de discussion du coup sur Instagram et que personne n'a spoilé la surprise. Déjà, c'est rare parce qu'en général, dans les groupes de discussion, tout le monde spoil. Et et surtout, enfin, voilà, vraiment tout le monde a été respectueux. Donc, je suis hyper, hyper contente de ce groupe de discussion aussi. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout ce que c'est. Oh, mon carnet de lecture Archipoche. Trop bien. C'est un carnet. Du coup, est-ce qu'il y a des lignes? Oh, mais il y a même plus que des lignes. C'est trop bien. Donc, c'est vraiment un carnet pré-rempli avec le titre, le nom de l'auteur, etc. La note, le nombre de pages. Quand est-ce qu'on l'a commencé? Quand est-ce qu'on l'a terminé? Waouh, il est vachement bien fait. Bah, ma foi, je suis trop contente. Trop bien. Bah, merci beaucoup. C'est trop cool. Et derrière, du coup, on a quelques romans de la collection Archipoche. Je pense que je prendrai en tout cas le temps de le compléter. Je vous l'avais vu aussi dans ma vidéo, donc normalement en vie. J'ai pas encore tourné, mais vous le verrez. J'ai mon carnet de lecture pour. Enfin, j'ai fait une sorte de carnet de lecture pour 2024, mais ça n'inclut pas justement ceci. Parce que je me dis que j'ai jamais le temps, mais là vu que tout est déjà pré-rempli, je me dis pourquoi pas. Alors je pense que je ferai uniquement peut-être sur les titres de l'archipel, voilà, je ferai peut-être l'effort, mais merci beaucoup, c'est très 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 chouette. Mon milliard de choses à vous dire, déjà on va commencer dans le désordre pour changer. J'ai reçu en cadeau de Noël un peu en retard, parce qu'effectivement j'avais reçu le mauvais tome à Noël et donc là voilà on me l'a modifié. J'ai donc reçu le 7e et le 8e tome de la chronique des Bridgerton au format collector. C'est le dernier qui me manquait pour compléter en fait ma collection, donc je suis trop contente, il est magnifique. De toute façon cette édition de luxe là, trop trop belle. Donc voilà, objectif 2024, lire les Bridgerton maintenant. Franchement, j'ai toute la collection, j'ai encore rien lu, c'est ridicule, je sais. Voilà pour mon petit cadeau de Noël, du coup, en retard. Je suis trop contente. Je vais rejoindre mes étagères. Ensuite, alors, je me retourne parce que tout est derrière moi. On va continuer avec les derniers livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Et donc, nous sommes... Il y a eu un book club, en fait, il y a de ça... une semaine et demie, quelque chose comme ça. On a fait un book club du coup à Cultura et je ne suis pas repartie les mains vides. Après, pour ma défense, j'ai encore des cartes culture, donc je peux utiliser bien sûr qu'à Cultura, n'est-ce pas? Il me reste encore de l'argent sur cette carte, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de ressortir bien sûr avec des livres. J'ai choisi que des livres qui étaient sur ma wishlist et le premier, je vous l'avais présenté dans ma vidéo sortie littéraire du mois de janvier. Il s'agit des Ravissantes de Romain Puertolas qui est un polar qui se passe dans les années 70, en 76 pour être précise,
en Arizona, donc aux États-Unis, et en fait on suit des disparitions et on soupçonne une secte qui vit à proximité de la ville. On les soupçonne voilà, d'enlever des gens et tout. Le thème me tentait beaucoup, ce roman aussi, donc ma foi je me le suis pris. C'est marrant parce que ça va faire écho avec mon update lecture qui je pense sera dans longtemps. Mais voilà, en tout cas ce roman me tentait énormément, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo. Donc voilà, il est reparti avec moi et j'ai décidé d'acheter celui-ci, Anatomy Love Story de Dana Schmartz, je pense, qui est un roman young adulte, jeunesse, young adulte, enfin, mais on est quand même sur une romance gothique. C'est vrai que c'est un peu estampillé, enfin c'est aux éditions Albin Michel, mais c'est à chaque fois dans le rayon young adulte, jeunesse. Donc à voir si au niveau de la plume c'est pas trop jeunesse, mais le pitch me tentait énormément. On est à Édimbourg en 1817 et on suit en fait Hazel qui a envie de devenir chirurgienne, mais bien sûr bah, 1817 c'est pas forcément évident pour une femme, et on suit également en parallèle donc, son futur Jack qui lui déterre les cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Et c'est tout ce qu'il y a au niveau du résumé, donc c'est hyper intriguant. Et je pense que je vais le lire très bientôt parce qu'il me fait de l'œil, mais plus. Donc voilà, je pense qu'en février, je vais me caler une lecture commune avec une copine qui l'a aussi. Ça a l'air vraiment génial et j'ai vu vraiment que du bien passer sur les réseaux. C'est une duologie, il y a un tome 2 et ça s'arrête là, je crois. Donc ma foi, si j'aime bien ce premier tome, je lirai le deuxième tome. En tout cas, je vais pas le laisser traîner dans ma palle, ça c'est sûr. Et ensuite, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a fait un Père Noël secret un peu en retard, je vous l'avoue, avec mon entreprise. Et donc j'ai reçu un livre, est-ce que c'est étonnant? Ils me connaissent bien mes collègues. Le Crépuscule de l'Aube de Ken Follett. Il faut absolument que je renoue avec cet auteur, c'est quand même un auteur très connu dans le genre roman historique, donc je sais, il faut que je renoue. J'avais commencé à lire Les Piliers de la Terre, justement, et voilà, il y a eu une scène qui m'avait choquée, entre guillemets, et j'avais pas continué. Ça m'avait un peu dégoûtée, entre guillemets, pour le reste du livre. Donc voilà, mais j'ai pas envie de m'arrêter à ça, j'ai envie de continuer de lire d'autres romans de lui parce que je sais qu'il est quand même hyper connu et hyper bien, à chaque fois ses histoires sont hyper bien documentées. Et donc il me semble que Le Crépuscule et l'Aube, c'est vraiment son dernier roman paru en poche. Là on est en 997, les Anglais font face à des attaques de Vikings. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Et on suit un jeune Edgar, constructeur de bateaux, qui voit son existence basculer quand son village est détruit au cours d'un raid viking. On suit Ragna, une jeune noble normande insoumise, épouse par amour un anglais. Elle épouse par amour un anglais, mais sa désillusion sera grande face aux mœurs et aux mentalités d'outre-Manche. Et on suit une troisième personne. Épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahison. Ça a l'air quand même très très bien, donc je suis très contente. Par contre, en poche, il fait quand même plus de 1000 pages. 1020 peut-être. Ouais, 1020 je pense pages. Donc voilà, il faut que je le lise. Merci du coup infiniment pour ce petit cadeau. Donc voilà les 4 livres qui viennent rejoindre ma palle là ces 2 dernières semaines. Que dis-je? Ma bibliothèque, souvent j'ai même plus de place, regardez où je mets mes livres. Bref, on n'en parlera pas. Je n'ai pas un, pas deux, mais bien 3 update lecture à vous faire. C'est quelque chose, j'ai beaucoup lu comme je vous l'ai dit parce que bah forcément quand je déserte un petit peu, quand je filme pas, quand je suis un peu moins sur les réseaux et tout, ah bah c'est sûr, mathématiquement j'ai plus de temps et donc plus de temps pour lire aussi. J'ai lu et j'ai beaucoup aimé La Rose de Minuit de Lucinda Riley, qui est donc l'une de mes autrices chouchou. Tiens, on est un tout petit peu accordé avec le violet. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que j'ai retrouvé sa plume et j'ai adoré retrouver la plume de Lucinda. C'est un roman qui est paru il y a 10 ans.
en France. Oui, c'est ça. Édition City 2014 pour la traduction française. Et c'est un roman qui est, où on est à chaque fois sur des doubles temporalités, des gros secrets de famille, vous vous en doutez. Maintenant, c'est pas mon préféré de l'autrice et j'ai même envie de dire celui que j'ai le moins. Non. Ouais, si, je pense que c'est quand même celui que j'ai le moins aimé. Parce que c'est vrai que le tome 2 des 7 sœurs m'avait pas non plus emballée. Mais celui-là, je vous avoue que même si j'ai beaucoup aimé l'histoire et tout, j'ai trouvé que ça traînait, en fait, qu'il y avait quelques longueurs dans le récit. Et ma foi, ça m'a un peu refroidie, on va dire. J'avais envie que le dénouement arrive plus vite. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais dans un mood un peu comme ça où j'avais envie en fait que ça, tout s'accélère? Peut-être que oui. Maintenant, comme vous le voyez à la couverture, au niveau du pitch, de l'histoire, c'était vraiment très chouette parce qu'on est à la fois en Inde, mais on est vraiment surtout dans le domaine d'Asbury en Angleterre. Je suis désolée si ma voix part en cacahuète parce que je suis malade. On est en Angleterre parce qu'en fait on suit une jeune actrice célèbre qui s'appelle Rebecca Bradley qui va tourner en fait dans ce fameux domaine d'Asbury. Alors c'est un film d'époque je crois, des années 1930, quelque chose comme ça. Elle a une vie un peu compliquée parce qu'avec son copain du coup ça va pas trop, donc elle s'exile, elle est un peu coupée du monde, elle fait entre guillemets le point sur sa vie si vous voulez. Et en même temps elle va rencontrer un jeune homme qui vient d'Inde et qui cherche en fait un peu le fils disparu de son arrière-grand-mère. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc ce fameux jeune homme va se renseigner parce qu'il y a un lien entre le fils de son arrière-grand-mère et Asbury, en fait le domaine d'Asbury. Sachant que son arrière-grand-mère est décédée au moment où il arrive au domaine d'Asbury et elle a toujours vécu, enfin lui il l'a toujours connue étant en Inde, vivant en Inde, etc. Donc il se dit quel est le rapport avec un manoir anglais. Et vous allez comprendre que évidemment on revient dans le passé, on retrouve Anahita qui est la fameuse arrière-grand-mère, c'est Anahita. Hein. Et donc on va revenir dans le passé où on va suivre en fait à la fois Anahita. Pourquoi elle arrive au domaine d'Asbury, pourquoi elle a un lien avec le domaine d'Asbury, et surtout pourquoi elle se dit que son fils est encore vivant alors qu'on lui a présenté le certificat de décès, que voilà, tout le monde lui dit mais non, il est décédé, etc. Et elle le sent, elle a une intuition, elle sait qu'il a vécu pendant très longtemps, qu'il n'est pas décédé jeune. Et voilà, on retourne un peu comme ça dans le passé et on déterre petit à petit les secrets de famille. Mais je pense que si vous connaissez Lucinda Riley, vous avez l'habitude un petit peu de ce schéma constructif, en fait, enfin ce schéma narratif. Donc c'est quelque chose d'assez courant et elle l'a très bien retranscrit. C'est vrai que forcément, je trouve que la partie dans le présent avec Rebecca est un peu, au début, un peu moins intéressante que la partie dans le passé. Mais j'ai trouvé que pour le coup, ce roman, on inversait la tendance au milieu, vers le milieu fin. On inverse complètement parce qu'au moment où on déterre les secrets dans le passé, on déterre aussi les secrets dans le présent finalement. Et on se rend compte que le propriétaire des lieux, pareil, il cache un lourd secret. Et j'ai beaucoup aimé cette ambiance à la Rebecca justement, où le domaine d'Asbury se transforme un peu en un domaine où elle devient, où elle voit des fantômes, où on lui fait croire des choses, où il y a la gouvernante qui est toujours avec elle, un peu constamment comme son ombre là, et qui est parfois un peu spéciale, un peu bizarre. Une ambiance comme ça, un petit peu dérangeante en fait, malaisante. Au domaine petit à petit qui s'installe tout au long du récit et j'ai trouvé que c'était très chouette. Et est-ce que Lucinda a appelé Rebecca son personnage principal en hommage entre guillemets justement au livre de Daphné du Maurier? Je me pose vraiment la question, ça aurait été très intéressant là, de l'interviewer pour savoir. Peut-être que je peux trouver d'ailleurs des interviews même écrite sur internet, je sais pas. Mais franchement, j'ai trouvé ça très très chouette. C'était une vraie épopée voilà, familiale que bah, je vous conseille parce que pour le coup, c'était très bien écrit. Voilà. C'est juste mon bémol au niveau des longueurs. Je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps en fait à se mettre en place et à un moment donné, j'avais envie que tout s'accélère. Mais je pense que ouais, j'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit pour le lire aussi. Ça n'empêche pas que vraiment Lucinda Riley a un talent de conteuse inné, incroyable, et qu'elle sait comme ça nous embarquer dans des univers qui nous dépassent vers des, voilà,
où on est complètement plongé au cœur de différentes familles avec divers secrets, diverses révélations qui interviennent et surtout cette espèce d'ambiance vraiment à la fois contemplative mais en même temps très prenante, très captivante. On a envie en fait de savoir la suite, on a envie de voir évoluer les personnages et j'ai trouvé ça encore une fois très bien réussi. Lucinda Riley, je sais en tout cas pour moi que c'est une valeur sûre, vraiment ravie d'avoir lu ce roman. Et donc évidemment, il m'a été offert par les éditions Charleston. Je suis très 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 contente de l'avoir lu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu Lucinda. 7 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà pour mon retour de lecture sur La Rose de Minuit que je ne peux que vous conseiller. Il est voilà, dispo en librairie s'il vous tente. Ensuite, j'ai terminé ma lecture audio de La disparition de Stéphanie Meyer de Joëlle Dicker. Et là, je vais aller un peu plus rapidement parce que je crois que vous en avez déjà un petit peu parlé dans certains vlogs. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup. J'étais très prise en fait. À l'audio, je vous jure que j'ai été vraiment embarquée par ma lecture. J'ai trouvé que c'était très très prenant. Parce qu'en fait, Joëlle Dicker insuffle un certain dynamisme, notamment en alternant les points de vue et en alternant aussi les temporalités. Donc, très très réussi à ce niveau-là, franchement, bravo. Je pensais que j'allais moins apprécier, parce que je sais qu'il a une moins bonne presse, entre guillemets, par rapport, c'est sûr, à l'affaire Harry Kéber. Et je dois vous avouer que je préfère vraiment l'affaire Harry Kéber aussi, parce que... Pareil, j'ai un petit bémol en fait. Peut-être que je suis un peu exigeante maintenant avec mes lectures, je sais pas. Mais j'ai un petit bémol pour la fin. J'ai trouvé que la fin était trop alambiquée. Ça partait un peu dans tous les sens alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus simple. Peut-être qu'il voulait. En fait, je pense qu'on a compris l'intention. Il voulait vraiment nous semer le lecteur et faire une sorte d'effet waouh à la fin. Mais je trouve que ça a pas trop marché. On suit en fait la disparition d'une journaliste. On est à Orphéa dans le présent, oui c'est ça, 2014. Et cette jeune journaliste, effectivement, elle va disparaître, mais avant ça, elle va contacter en fait des policiers. Et on se rend compte que ces policiers ont enquêté, en 1994 à Orphéa, dans une petite ville du coup aux États-Unis. Dans l'état de New York, et ils ont enquêté en fait tout simplement sur le massacre de toute la famille, du maire et de toute sa famille en 1994. Et en fait, on revient comme ça à la fois dans l'enquête du passé et de nos jours. On se rend compte qu'il y a tout un tas de personnages qui finalement sont encore un peu marqués par cette histoire, par ce massacre d'Orphéa en 94. Et. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a narré d'ailleurs, justement dont il a introduit ses personnages et petit à petit on découvre un peu le puzzle. Et donc ensuite Jesse et Derek, ces deux flics qui finalement ont beaucoup, beaucoup perdu, du moins voilà, cette première enquête, je crois que c'était leur première enquête, les a beaucoup marqués. On les suit du coup bah, 20 ans plus tard au moment de la fin de leur carrière entre guillemets, et en tout cas pour l'un je crois. On se rend compte que donc cette journaliste disparaît, ils sont évidemment à sa recherche et en fait on déterre en fait, des vieux secrets, des vieilles choses, des vieux indices qu'ils n'avaient absolument pas découverts en 94. Et donc petit à petit on commence vraiment, on est sur un bon polar, pur polar, où de plus en plus d'indices et de secrets dévoilent des choses. Mais il faut résoudre ces choses pour pouvoir avoir accès à la résolution d'autres énigmes. Enfin, vous avez compris, c'était vraiment une sorte de casse-tête. Donc parfois, en audio, j'étais un peu perdue. Voilà. Surtout au niveau des personnages, parce qu'il fait intervenir énormément de personnes. Donc le nouveau maire, l'adjoint au maire, l'ancien flic commissaire de l'époque. Ils enquêtent aussi avec une personne qui, Anna, qui jeune flic à Orphéa, et on se rend compte que elle, c'est très compliqué de s'intégrer. En même temps, on suit une jeune fille qui visiblement est un peu accro à la drogue et on se dit quel est le rapport. On suit un producteur de télé, je crois, maintenant c'est son père le producteur de télé. On suit un rédacteur en chef d'un journal et on se dit pareil quel est le rapport. Enfin voilà, petit à petit, personnages prennent vie dans l'enquête et dans le récit, et c'est ce qui fait en fait tout l'intérêt, je trouve, des romans de Joëlle Dicker, c'est que
on a une multitude de personnages qui à un moment donné vont avoir un lien entre elles très fort et où il y a cet effet waouh en fait qui ressort, qui est très intéressant. Maintenant voilà, pour la résolution de cette énigme-là en particulier, cette enquête-là en particulier, j'ai été un poil déçue par la fin. Ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir en audio. Je vous le conseille. Alors moi, j'écoute tous mes livres audio sur Audible. Je suis fan de cette plateforme pour avoir testé aussi Nextory. Je pense que vous avez l'habitude de voir passer cette plateforme Nextory. Alors peut-être qu'il y a eu des mises à jour effectivement depuis la dernière fois où je l'ai utilisée, mais moi je dois vous avouer que voilà, Audible c'est parfait, je trouve qu'elle est très facile d'utilisation et qu'elle est très bien faite. Donc je vous le conseille parce que vraiment le lecteur est très chouette et il y a une ambiance comme ça, très particulière. Donc très très bonne lecture, je suis contente d'avoir renoué avec Joëlle Dicker parce que ça faisait très longtemps que j'avais lu la vérité en fait sur l'affaire Harry Quebert. 4 ans je pense, la dernière, 4, 5, bon je sais pas. Mais voilà, j'ai envie en tout cas de lire davantage, j'ai d'ailleurs dans ma pile à lire, vous voyez ici, l'énigme de la chambre 622 que j'ai reçue à Noël, donc... Ça m'a l'air pas mal aussi. Parce que là, du coup, on est dans un hôtel. Toujours un peu question d'écrivain, c'est marrant. Dans tous ces romans, en fait. Parce que pareil, dans la disparition de l'affaire de Stéphanie Mailer, on a aussi toute une enquête avec un journal, etc. Donc il est question un peu d'écrivain. Et puis notamment un scénariste, parce qu'il est beaucoup question de théâtre d'Orphéa. Il y avait une pièce, il y a toute une enquête comme ça autour de la pièce. Donc c'est très chouette, en tout cas. Ensuite, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié de vous faire un update lecture, donc ce ne sera pas 3 updates lecture, mais 4 que j'ai à vous faire. Donc voilà, désolée pour ce vlog qui sera peut-être pas forcément très dynamique en termes de changement d'image, ce sera toujours moi, je pense. J'ai lu entre-temps 3 femmes disparaissent de James Patterson et Shan Séraphin. Séraphine, aux éditions de l'Archipel. Donc voilà, c'est le premier roman que je lis dans le cadre de mon partenariat 2024. Et je dois vous avouer que c'est une lecture mitigée, plus. Je frôle avec le flop, hein, concrètement. J'ai pas été embarquée par l'histoire. En fait, l'histoire, le pitch avait vraiment beaucoup de potentiel. Il y avait plein de choses qui pouvaient me plaire. On suivait 3 femmes qui sont toutes les 3 suspectés d'avoir commis un meurtre, d'avoir tué en fait leur patron pour l'une, enfin pour 2, et leur mari son mari pour la troisième. On se rend compte que Anthony Costello, la personne du coup qui est décédée, est un mafieux plutôt véreux qui traîne un peu comme ça dans des réseaux de drogue, etc. Et on soupçonne de suite en fait, la police soupçonne de suite les 3 femmes qui l'entourent, à savoir son épouse, sa chef cuistot et sa femme de ménage. Il s'avère que la chef cuistot en fait c'est la femme d'un flic, un flic qui, alors je crois qu'il n'est pas de suite dépêché sur l'affaire, mais voilà, il a quand même des informations sur l'affaire, etc. Et j'ai été un peu perdue parce que moi surtout ce qui m'a embêtée c'est pas tant l'histoire que j'ai trouvée plutôt intéressante comme je vous dis avec beaucoup de potentiel, mais c'est la manière dont ça a été raconté, ça allait beaucoup trop vite. Il est très court hein, donc c'est normal ça aille vite, mais j'ai eu l'impression de manquer d'éléments à la compréhension du récit. Or pourtant c'est un one shot, c'est pas du tout partie d'une saga, d'une série ou avec un inspecteur ou quoi que ce soit. Mais il m'a manqué énormément d'éléments. Je me suis dit, mais attends, là, ici, c'est... Enfin, ça allait beaucoup trop vite en fait au niveau du récit. J'ai trouvé que c'était trop brouillon, un peu décousu. Et du coup, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Donc, du coup, j'ai pas une grande mémoire de ce qui se passe dans le roman. Enfin, vous voyez, je trouve qu'on se détache beaucoup en fait des livres comme ça quand on n'accroche pas. En fait, moi, j'oublie l'histoire au bout d'un moment. Donc c'était chouette au niveau de l'histoire, même si voilà, ça m'a pas marqué parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais la plume, ça l'a pas fait du tout. Donc voilà, pour mon retour de lecture qui fut très rapide. Petite pointe de déception à ce niveau-là. Ça arrive. Écoutez, ma foi,
Je n'aime pas toutes mes lectures, sinon ce serait quand même un peu embêtant, je pense. Donc lecture mitigée, et je pense sincèrement que ce sera ma seule lecture vraiment mitigée de janvier pour l'instant. Parce que la lecture que je suis en train de lire, j'aime bien. Même si c'est pas transcendant, j'aime bien. Et je vous ai montré du coup effectivement au cours de mes vlogs quand même de bonnes lectures. Là j'ai bien commencé 2024, je suis plutôt contente. Mais bon, on passe maintenant à quelque chose d'un peu plus réjouissant. J'ai terminé en lu et terminé en lecture pareil audio. Franchement j'ai fait beaucoup d'audio ce mois-ci, je suis très contente. C'est l'une de mes résolutions 2024, pouvoir lire davantage de livres. Et ça passe je pense aussi par de l'audio. Alors après je passe effectivement tous mes livres papier en audio pour pouvoir un petit peu faire baisser ma PAL. Et donc l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier, pareil je l'ai écouté donc sur Audible et j'ai trouvé ça très fluide au niveau de l'audio, vraiment très chouette à écouter. Et il est super court, franchement il doit faire 4 heures, 5 heures même pas, enfin vraiment très très court, très très bien, très très bien raconté. Et là, on va suivre une affaire dans les années 60 aux États-Unis. Donc, c'est un true crime, c'est une affaire qui a réellement existé, qui a réellement eu lieu, où on va en fait suspecter cette fameuse mère de famille, Alice Crimmins, d'avoir en fait tout simplement tué ses enfants, parce que ses enfants disparaissent, ses deux enfants, puis après on les retrouve chacun décédé. Et on va comme ça tout au long du roman et de l'enquête qui s'est réellement passée, on va un peu montrer que Alice finalement est un peu la coupable idéale, parce que dans les années 60 ça heurte un petit peu la sensibilité des Américains. Elle est une femme très divorcée je crois, même, ou séparée ou divorcée au moment où ses enfants disparaissent. Et elle a des amants, elle vit une vie un peu dissolue entre guillemets, et ça heurte, ça choque les mœurs de l'époque. Et donc on en fait un peu une coupable idéale, parce que même au niveau de la police, de l'enquête et tout, il y a vraiment une sorte de... C'est un peu le bouc émissaire. On essaye de faire en sorte de montrer qu'elle est coupable, si vous voulez. Je dis pas qu'on falsifie les indices, mais on essaye un petit peu comme ça de prouver que c'est elle la coupable. Or, il y a pas mal d'incohérences, et puis petit à petit, Anaïs Renevier revient un petit peu sur les différents rebondissements de l'affaire, puisqu'il y a eu des rebondissements. Elle a quand même eu deux procès. Donc voilà, c'était très chouette, très intéressant. Si l'affaire vous intéresse, franchement, ou vous tente, lisez-le. J'ai trouvé ça très bien documenté aussi. Et même s'il y a effectivement un certain parti pris de la part de l'autrice, parce que voilà, on est, comme je vous l'ai raconté, c'est un peu narré comme ça, il y a un parti pris, je trouve qu'elle remet quand même les choses dans leur contexte et elle essaye un peu quand même de, voilà, montrer ce qui a été vrai, ce qui est faux, et quels sont les indices, les vrais indices finalement. Et parfois effectivement ça peut laisser penser que Alice est coupable, et d'autres fois bah non. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en lumière par ce roman, et très très bien écrit, très très bien fait. Donc ma foi, j'ai beaucoup aimé ce livre, ce court livre, très 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 chouette. J'ai aussi de cette collection, il y a le dernier là qui me tente, qui est en Alabama je crois, ou en Californie, je sais pas. Non, la Californie, c'est l'affaire du Golden State Killer. Ensuite, moi, j'ai lu effectivement L'inconnu de Cleveland, mais il y a un dernier, là, le dernier sorti, le bleu. Je me repère aux couleurs. Le bleu me tente beaucoup. Donc voilà, pour mes lectures terminées. je vais aller vous laisser parce que j'ai beaucoup beaucoup parlé. Et voilà, je vous parlerai en tout cas de mes deux lectures en cours. Entre temps, je pense terminer ma lecture audio. Encore une fois, hein, là je vous dis, j'ai beaucoup lu ce mois-ci hein, finalement. Et c'est un coup de cœur, premier coup de cœur de 2024. Donc je vous laisse encore un peu de suspense. Vraiment coup de cœur sur cette lecture. Et je vous parlerai aussi de ma lecture en cours qui est bien, mais pas incroyable. Voilà, moi je vous dis du coup à plus.
Hello, nous sommes aujourd'hui mercredi 31 janvier, dernier jour du mois de janvier 2024 et je vous reviens pour du coup un update lecture avec mon fameux coup de cœur. Je crois que je vous avais un petit peu teasé lors des dernières séquences. Je crois que vous avez voilà, un petit peu teasé lors des dernières séquences, donc je vais vous parler de ce fameux coup de cœur que j'ai eu, premier coup de cœur de 2024 en lecture, et du coup je suis trop contente. Et je vous ferai aussi juste après là mes colis que je vais ouvrir avec vous, parce que franchement je suis trop une enfant, il faut que j'ouvre mes colis en priorité. Je vous ferai un update lecture, parce que du coup j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Et je suis toujours dans ma lecture papier depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Donc voilà, c'est pas que j'aime pas, mais bon, je la fais un peu traîner quoi. Donc, j'ai deux colis. Premier colis, je pense savoir ce que c'est, parce qu'en fait je suis tellement curieuse que si vous voulez, j'ai regardé ici, même si c'est caché, la maison d'édition. Ce sont les éditions du Seuil. Alors là pour le coup je suis vraiment hyper contente parce que c'est une autrice que j'adore, je suis vraiment fan de ce qu'elle a écrit. Elle a écrit notamment une saga entre guillemets, enfin du moins plusieurs enquêtes avec un personnage principal. Si je peux vous donner un indice, franchement faut me suivre quand même depuis très très longtemps, donc je sais pas si vous êtes là depuis le début de mon aventure YouTube, mais c'est une autrice française qui écrit des polars et des thrillers vers la région, en région vers La Rochelle si vous voulez. Et voilà, j'en dis pas plus, mon coup de cœur 2022 est l'un de ses livres. Et donc là j'ai reçu le tome 3 en fait de sa saga avec son psychologue, c'est pas un inspecteur, je sais pas ce que j'ai dit juste avant. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Là il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, pourtant la semaine n'est pas terminée. Mais voilà, je suis vraiment fatiguée en ce moment. Et en même temps j'ouvre le colis. Et donc les éditions du Seuil, oui, m'ont proposé de recevoir ce tome 3 parce qu'ils ont vu mon enthousiasme et oui, je ne peux que être enthousiaste à l'idée de la sortie de ce roman. Oh là là, 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 il est trop beau, il est trop beau, je suis tellement contente. Donc il s'agit de À la gorge de Max Monnehué, qui est donc l'autrice de Sombe. J'avais eu voilà, un coup de cœur pour le tome 2 qui est Je suis le feu. Je pense qu'il faut quand même les lire dans l'ordre. Après vous pouvez les lire indépendamment à mon avis et vous allez comprendre. Mais je trouve qu'il y a un truc en plus à lire ces romans dans l'ordre. Donc d'abord Sombe, puis Je suis le feu et enfin ce troisième tome, qui va paraître le 9 février prochain, donc là on est le 31 janvier, je l'ai en avant-première. Évidemment que je vais me jeter dessus juste après, hein, on s'en doute, tout le monde s'en doute. Et donc je vais enlever, et oui, Sombe a reçu effectivement le prix du meilleur polar point. J'étais en fait jurée cette année-là au moment où, du coup il a reçu le prix du meilleur polar. Il est là d'ailleurs, hein, Sombe. Je me suis contorsionnée pour vous le récupérer. Sombe, je l'avais reçu du coup lorsque j'ai été jurée. Voilà, j'ai la petite étiquette entre guillemets avec la sélection. Et j'avais adoré. Je crois même que j'avais voté pour lui. Donc je suis très contente qu'il ait reçu ce prix. Et voilà, donc c'est le troisième tome. Encore une fois, qui peut se lire indépendamment et où on suit en fait son psychologue qui s'appelle Victor Caran, qui est psychologue en milieu pénitentiaire. En fait, il exerce du côté de La Rochelle, l'île de Ré notamment, parce qu'il y a une prison en fait sur l'île de Ré, donc ça c'est vrai, hein, c'est pas du tout inventé. Et donc là, je lis dans ma tête le résumé et je vois si je vous le dévoile ou pas. Ok, je pense pas que ça spoil. Je peux vous lire le résumé parce que à mon avis ça ne spoil pas du tout. Peut-être que vous avez, si vous avez lu Sombe et Je suis le feu, comprendre, mais ça spoil pas trop à mon sens. Dans quelques jours, ça fera 10 ans qu'Emilien, donc Milou, a été condamné pour avoir étranglé un jeune couple. Après lui avoir rendu visite, Victor Caran, psychologue en milieu carcéral,
Pourquoi je dis en milieu carcéral alors que c'est noté psychologue carcéral, pardon, à la prison de l'île de Ré, se met à douter sérieusement de sa culpabilité. Mais s'il veut l'aider, il va falloir faire vite. Le détenu affirme qu'il se suicidera dans une semaine, le jour anniversaire de son incarcération. Victor et Anaïs, la jeune flic de la PJ de La Rochelle avec laquelle il a tissé de solides liens, vont se jeter à corps perdu dans un contre-la-montre à haut risque. Ça a l'air trop bien. Voilà, je suis désolée, c'est mon petit... Il fait du coup 364 pages. Et voilà, coup de cœur 2022 pour Je suis le feu. Donc on va voir si celui-ci, ce sera mon coup de cœur 2024 du coup. Merci bien sûr infiniment aux éditions du Seuil pour l'envoi de ce roman, parce que je suis excitée comme une puce à l'idée de le découvrir en avant-première. Donc voilà, merci beaucoup. Donc ça c'est pour mon premier colis reçu, et le deuxième colis reçu aujourd'hui, je pense savoir ce que c'est. Enfin, c'est les éditions Charleston au vu de l'enveloppe, et je pense savoir ce que c'est parce que j'ai vu passer pas mal de stories. C'est vrai qu'on se spoil un peu les unes les autres sur Instagram. Quand il y en a une qui reçoit voilà, une nouveauté, je me dis oh, bah, moi aussi je pense que je vais la recevoir, etc. En général, ce qui est cool, c'est que je reçois dans les premières les romans. Ma poste, visiblement, est pas trop en retard par rapport à la poste de d'autres régions de France. Du coup, bah, ça c'est plutôt cool. Je vous fais un speech là. Vraiment, on est sur... Peut-être que vous pouvez comprendre. On est sur... J'ai défoncé la... Vais-je réussir à terminer mes phrases? C'est vraiment pénible, j'en suis navrée. Donc... La bibliothèque ambulante des Appalaches. Je suis désolée, mais pour une fois, il n'est pas abîmé. Je suis contente, trop bien. Il me tentait beaucoup en fait au niveau du pitch, parce que nous sommes en 1936 dans le Kentucky, au cœur des bois de Troublesome Creek, où vit la jeune Cussie Mary Carter, dernière descendante d'une étrange lignée de montagnards à la peau bleue, originaire de France. Alors pourquoi bleu? Bref, à travers ces territoires désertés en proie à la violence et à la pauvreté, la jeune femme solitaire s'est donnée pour mission d'offrir une échappatoire, à travers la lecture à ceux qui n'ont rien. Chaque jour, elle parcourt de longues distances sur sa mule pour apporter des livres aux habitants des montagnes et du Kentucky. Mais elle va bientôt devoir affronter des préjugés aussi vieux que les Appalaches. Plongée fascinante dans le Kentucky des années 1930 aux côtés d'une héroïne puissante qui affronte vaillamment la cruauté du monde. Voilà, franchement, il me tentait beaucoup au niveau du pitch, c'est pour ça que je l'ai demandé du coup au catalogue. Je crois qu'il va paraître le 1er février si je ne me trompe pas, donc demain. Voilà. Il me semble qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà paru. Et je suis hyper étonnée parce qu'il est pas très épais, je m'attendais à un roman historique. En général, les romans historiques sont quand même assez épais, donc ma foi, je suis plutôt agréablement satisfaite. Alors, il y a des avis des lectrices Charleston, c'est un petit peu un rituel que de vous lire en tout cas les avis des lectrices Charleston. Du coup, on a Charlotte, carnet littéraire, un très bel hommage aux habitants du Kentucky, aux femmes fortes et courageuses qui apportaient la lecture et de la joie dans les foyers les plus éloignés. Un poignant rappel de la force et de l'importance des livres. J'aime bien, de temps en temps, lire des romans qui parlent de livres. Je trouve ça toujours très chouette. Justine de D. Justine. Roman d'une incroyable beauté, ode à la tolérance, à l'amour et à la bienveillance, l'autrice nous propose un texte formidable, rempli d'espoir et de courage, le tout porté par une jolie plume. Écoutez, ma foi, on n'en demande pas tant. Un roman immensément, beau et touchant, un coup de cœur. Sixtine, de Dor Sixtine, lecture de Sixtine. Sophie, les livres de Sophie, une histoire déchirante et un voyage passionnant au cœur du Kentucky grâce à Bluette qui garde sa foi et son amour pour les livres. Pourquoi j'ai pris cet accent? Kim Michelle Richardson est l'autrice de ce roman. Elle est née, elle a grandi dans le Kentucky, donc qui est intéressant. Autrice de 5 romans historiques. Ça a l'air vraiment très cool. Et il fait du coup en termes de nombre de pages... Il fait 400
17 pages. Voilà. Merci du coup beaucoup aux éditions Charleston pour l'envoi de ce roman qui, ma foi, me tente pas mal. Je pense que. Bon, je ne lirai pas tout de suite parce que j'ai beaucoup, beaucoup de. Voilà, de livres à lire, de services presse, etc. Mais ma foi, pourquoi pas là au printemps. Enfin, je trouve que la couverture fait très printanière. Voilà pour mes deux réceptions du jour, qui sont quand même très très cool, hein, on va pas se mentir. Moi, je suis chaque fois hyper hyper contente en fait de recevoir tous ces services presse. Enfin, c'est que des romans qui me tentent plus plus, donc maintenant, let's go, je vais vous parler de mon premier coup de cœur de 2024. Décidément, j'ai beaucoup d'énergie ce soir, donc on en profite. Les trois épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. Franchement, pépite, j'ai adoré. J'ai trouvé que le suspense était au rendez-vous. Alors, on est sur un thriller où, en fait, dès le début, je crois, on rentre très très vite dans le vif du sujet. Il y a Blake Nelson qui est un mormon polygame. Donc il fait partie quand même d'une branche très très réformiste, enfin je trouve pas le mot, très j'ai pas le mot. Effectivement, même si la religion mormone a en tout cas aboli le mariage plural depuis le début, je crois, du XXe siècle, Blake Nelson, enfin il y a voilà, encore certains mariages plural parmi les mormons, mais c'est vraiment une branche très encore une fois, j'ai pas le mot, mais très particulière de cette religion. Et donc, il a trois épouses, comme son titre l'indique. Le titre du roman l'indique, et il va mourir. Et en fait, pendant tout le roman, tout l'objet du roman, c'est de savoir laquelle des trois épouses a tué son mari. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on découvre qu'il y en a une qui a quelque chose à se reprocher. On se dit dès le début, bon, elles ont l'air de vivre en parfaite harmonie, etc. Mais on se rend compte que finalement, les liens sont pas si affectueux que ça les unes envers les autres, même envers Blake. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette parce que c'est une ambiance, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est très chouette parce que l'ambiance pesante et les rebondissements, tout ça s'enchaîne hyper vite, c'est très fluide, très dynamique. Et alors, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'était quand même la psychologie des personnages. Je trouvais qu'elle était très bien travaillée par l'autrice. Il n'y avait vraiment rien à dire. Même dans la construction du récit, elle amène les choses petit à petit et on comprend finalement que chacune des trois femmes a ses propres secrets, ses propres failles aussi. On comprend pourquoi, en fait, à un moment donné, elles ont été destinées à épouser Blake Nelson. Et en même temps, on est comme ça dans une plongée au cœur en fait des Mormons. Dans cette communauté, le mariage plural est interdit et du coup, on est quand même plongé au cœur justement des rites et surtout des habitudes de la communauté. Alors moi, je suis un peu, je dirais pas passionnée, mais j'aime énormément voilà, ce genre de thématique-là. Je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir ben, justement les us, les coutumes de différentes communautés, notamment religieuses. Donc y a pas beaucoup de choses qui m'ont étonnée. Je connaissais la plupart des us, des coutumes, des rituels encore une fois. Mais j'ai quand même appris 2-3 trucs en plus. Donc j'ai été très contente parce que c'était au final une lecture avec beaucoup de suspense, hein, vu que c'est le but, hein, on est sur un thriller. Mais en même temps, c'est assez instructif, notamment sur cette communauté religieuse, donc les Mormons. Et il y a une toute petite partie, à un moment donné, il y a un lien, en fait, si vous voulez, avec la fameuse secte. Alors là, pour le coup, on est sur une dérive sectaire, hein, donc on est vraiment sur une secte, au sens même aux États-Unis, hein, c'est considéré comme une secte. La secte de Warren Jeff, qui a réellement existé. Si vous voulez, je ne pense pas vous spoiler en vous disant ça, mais l'une des trois épouses, donc Rachel, qui est la première épouse, qui est un peu l'épouse modèle, elle est issue, donc elle a grandi au sein de cette secte. Alors il me semble je crois que le nom de la secte, c'est La Maison. En tout cas, dans ce roman, ils disent La Maison, mais il me semble que le nom réel, c'est ça. Et donc voilà, c'est un gourou quand même qui a été très très célèbre, Warren Jeff. Et donc Rachel dans le roman est la fille de Warren Jeff. Bon,
Il n'est jamais nommé, hein, bien sûr, mais j'ai regardé en fait le documentaire Netflix qui parlait de cette secte-là, et en fait, on revient sur toute l'affaire, etc. Il y a eu... j'ai pas trop envie de voilà, vous spoiler si vous connaissez pas, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de regarder. Je vous conseille en tout cas de lire ce livre, forcément, et de regarder le documentaire Netflix. Pardonnez ma voix, qui doit être horrible, mais je suis enrhumée, comme vous pouvez l'entendre. Le documentaire Netflix, c'est Keep Pray, Keep Sweet, je sais jamais... oui, voilà, c'est Keep Sweet, Pray and Obey, donc prie et obéis. Je crois que c'est ça. Prie et tais-toi, ou prie ou obéis. Je vous mets le documentaire ici, et je vous le conseille parce qu'il est, il est glaçant. Après, voilà, attention, âme sensible, j'ai envie de dire, s'abstenir. Parce qu'il est assez glaçant, on est sur un vrai documentaire avec des témoignages quand même très forts. Durant tout le documentaire, il y a 4 épisodes et les 4 prennent vraiment au trip. On revient sur toute l'affaire, sur l'arrestation de Warren Jeff, etc. Mais aussi du coup sur le fonctionnement de la secte, comment ils ont... comment voilà, ils ont parvenu à arrêter donc, le fameux prophète, et surtout quelles étaient leurs règles de vie et quels ont été en tout cas les crimes, les délits qu'ils ont commis, donc notamment tout ce qui va être mariage de mineurs, viol, etc. Enfin, vous vous en doutez, la panoplie quoi. Et c'était très difficile à regarder et à écouter. Et donc comme je connaissais déjà cet événement-là et cette secte-là en fait, et ben forcément quand j'ai écouté, parce que du coup je l'ai pris en audible, je l'ai écouté en livre audio. Et quand j'ai compris que Rachel, donc l'une des 3 épouses, venait de cette fameuse secte, il y avait quand même d'énormes similitudes avec l'affaire que je connaissais là de Warren Jeff, je me suis dit, c'est sûr, c'est un lien, forcément. Alors après, je sais pas trop ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que je trouve dommage, mais à la fin du roman, l'autrice explique pas vraiment ses sources, enfin elle revient pas trop dessus. Donc je sais pas trop ce qui est vrai et ce qui est faux, faudrait que je re-regarde le documentaire, parce que j'avoue que j'ai pas non plus, je me souviens pas de tous les détails, mais il y a un gros lien quand même, un énorme lien, et je vous avoue peut-être que c'est le fait que je connaisse déjà en fait cette affaire-là, je pense qu'à mon avis ça m'a aidé pour la compréhension et peut-être pour l'appréciation de ce roman. Je sais pas si c'est un lien, si ça peut jouer, mais je pense quand même que ça a un peu joué. Donc franchement, en tout cas, voilà, il y a quand même un lien avec cette affaire, à mon sens. C'est trop gros pour qu'il n'y ait pas de lien. Mais du coup, c'était quand même hyper intéressant. Parce que même dans la construction du récit, je vous dis, elle nous tient en haleine, en suspense tout du long. On a une plume qui est très fluide, très agréable, et j'ai adoré cette ambiance un peu parfois malsaine où la tension monte petit à petit et jusqu'au bouquet final qui est un peu effectivement un bouquet à l'américaine, hein, pas se mentir. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, très prenant, et le côté addictif lié, j'avais tout le temps envie d'écouter ma lecture, etc. Donc... voilà, premier coup de cœur, un sans faute en tout cas pour moi. Donc quand il n'y a pas de faute, c'est coup de cœur quoi. Coup de cœur, trop bien. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur les 3 épouses de Blake Nelson. Je vous le conseille à fond. Si la thématique vous tente, faut vraiment que je pense que ce roman vous tente pour que vous puissiez l'apprécier à mon sens à sa juste valeur. Après bon, on peut ne pas apprécier, hein, c'est tout à fait normal et compréhensible, mais je pense que voilà, la thématique est tellement particulière qu'à mon sens il faut déjà avoir un certain intéressement, je sais pas si c'est très français, mais voilà, s'intéresser un minimum au sujet pour vraiment l'apprécier. Enfin, après c'est mon avis, hein. Encore une fois, il est très subjectif, hein, je pense que vous le savez. Mais j'ai adoré en tout cas cette lecture. J'ai été vraiment bluffée par la manière dont elle a traité en tout cas ce sujet. C'est vrai que la religion mormone est très présente, cette fameuse secte est aussi très présente.
mais on tourne bien autour des trois épouses, hein, donc vraiment tout l'objet du roman, c'est la psychologie, enfin c'est vraiment ces trois femmes et on les suit en fait tout au long du récit. On les voit, elles sont toutes les trois très différentes. On s'attache à certaines et puis parfois elles font des trucs, on se dit non ok, j'ai pas du tout envie de m'attacher à elles en fait. Enfin franchement c'était hyper bien fait, hyper chouette. Voilà. Et par contre j'avais un peu deviné la fin. J'avais deviné la fin mais vers la fin. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois. C'est-à-dire que on arrive proche du dénouement et là je devine qui est la personne du coup qui a tué Blake Nelson. Et en fait c'était la bonne personne, enfin j'avais raison. Et je pense que ça c'est à force de lire des polars et des thrillers, peut-être que, je sais pas, j'ai l'habitude maintenant. Et donc, nouvelle lecture audio qui n'est autre que Ragnar. J'ai lu Ragnar il y a effectivement pas très très longtemps en soi, en octobre je crois. Mais voilà, j'ai décidé de choisir celui-ci qui était dans ma pile à lire depuis les derniers qui est du polar parce que... Les éditions de La Martinière nous l'avaient offert lors de l'événement en fait qu'il y a eu pendant les quais du Polar. Et du coup j'avais ce roman dans ma pile à lire, À qui la faute, et je me suis dit que c'était une bonne idée que de le passer en audio. Et je dois vous avouer que j'ai bien fait parce que la performance du lecteur est très très chouette, vraiment. Par contre... Au niveau du récit, donc j'ai quand même pas mal avancé, ça s'écoute très facilement et surtout ouais, la plume évidemment est fluide, hein, c'est du Ragnar. Mais je crois à peu près, j'ai feuilleté tout à l'heure, mais il me semble que je suis à peu près à la moitié du roman. Et donc comme vous voyez sur cette couverture qui est assez évocatrice, on est sur les plaines, on est dans plein cœur d'une tempête de neige. En Islande, à l'est, je crois, de l'Islande, je suis pas sûre. Quatre amis, une nuit, tous n'en reviendront pas. Donc on a comme ça une sorte de suspense. Tout le récit en fait réside dans le fait que quatre amis vont faire une excursion pour aller chasser la perdrix en Islande et ils se retrouvent coincés au cœur d'une tempête de neige. Et, ils trouvent un refuge en fait. Et le problème, c'est qu'il y a un événement qui survient. C'est un peu tout l'objet, je pense, pour l'instant du récit, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais il y a un événement qui survient et je sais pas, ils font des allers-retours, etc. Et on se pose la question de savoir si l'un d'eux va décéder en fait, parce que il y a une telle tension en fait qu'on se dit il y a plein de choses qui sont louches, il y a pas mal de secrets qui remontent. Enfin, vous voyez, c'est un peu une sorte de huis clos comme ça, au cœur d'une tempête de neige avec quatre amis. Ragnar avait déjà fait ça, enfin, déjà fait ça, c'est pas exactement la même histoire, mais il avait déjà un peu créé, instauré cette ambiance-là dans L'île au secret, qui est le tome 2 de La Dame de Reykjavik, mais bon, ça peut se lire indépendamment. Et j'avais beaucoup aimé, ouais, j'avais vraiment adoré L'île au secret. Donc, je sais que c'est un peu une valeur sûre, Ragnar, pour moi en tout cas. Donc, j'avais envie de continuer ma lecture de cet auteur. Maintenant, voilà. Niveau de l'histoire. L'histoire a plein de choses qui sont très intéressantes. Maintenant, je trouve que l'ambiance n'y est pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui manque. La tension, en fait, manque. Le suspense n'y est pas du tout. Cet événement qui intervient vraiment au début, au moment où, en fait, il rentre dans le refuge. Normalement, est un événement un peu intense. Enfin, vous voyez, normalement, c'est un gros rebondissement. Sauf que pour moi, c'est un peu ton. C'est comme si on mettait ça là pour créer un rebondissement. Voilà. Sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté chez moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas bien. Encore une fois, bah, je peux pas vous dévoiler, enfin, j'ai pas trop envie de vous dévoiler le rebondissement là qui intervient parce que je pense que c'est trop spoilant. Mais j'ai pas compris le choix de l'auteur d'instaurer un rebondissement comme ça, en fait. Voilà, encore une fois, difficile pour moi de vous en parler comme ça, mais je comprends pas. Et en fait, du coup, la tension. Le suspense n'y est pas. Je m'attache pas trop non plus aux personnages. Je trouve qu'ils sont
bah, pas très attachant. On comprend, enfin, il y a des flashbacks où donc en fait on comprend un petit peu au fil du récit leur vie, ce qu'ils font, quel est le lien qui les unit tous les quatre. Et je pense que je m'attache, donc il y a une fille et trois hommes, enfin une femme et trois hommes, et je m'attache beaucoup plus à Elena qui est donc le personnage féminin. Même Daniel, parce que Daniel c'est le premier, et pareil, on s'attache à lui parce qu'effectivement bah, c'est le premier qui parle, et bon, ouais, je m'attache aussi à lui, mais je suis pas subjuguée en fait, c'est pas un attachement qui est profond. Donc j'attends de voir. Pourtant j'ai quand même pas mal écouté, comme je vous disais. Donc j'attends de voir s'il y a un autre rebondissement hyper important qui va survenir. Dans la quatrième de couve, ils disent quand même survivront-ils tous à cette nuit? Donc normalement tout l'objet du roman, tout le suspense est là-dedans. Sauf que pour l'instant le suspense est pas trop là. Donc je sais pas. En fait pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mitigée sur ma lecture. Parce qu'il me manque un truc, voilà. Il me manque cette ambiance que j'aurais aimé retrouver. Pourtant, c'est intéressant, hein. On a quand même leur vie, ça donne pas mal de clés, je trouve, de compréhension sur la société islandaise. Il y a un truc avec l'alcool aussi. je vous en avais parlé, ça, dans le dernier Eva Björgvinsdóttir. Il y avait un truc avec l'alcool, hein, dans le clan Sneberg. Et pareil, dans À qui la faute, il y a un truc avec l'alcool. Alors peut-être que maintenant ça me saute aux yeux parce que j'ai lu le clan Sneberg il n'y a pas très longtemps. Je comprends pas non plus l'intérêt de l'alcool là-dedans. Peut-être qu'il y en aura un, mais pareil, je vois pas l'intérêt de mettre un personnage qui est alcoolo et qui a des dérives comme ça un peu chelou avec l'alcool. Je vous dis pas qui pour vous laisser le suspense, mais voilà, il y a un truc avec l'alcool et l'un des quatre amis, vous vous en doutez. Et je vois pas l'intérêt. Voilà, donc ma foi, c'est un avis à mi-parcours qui est pas très positif pour ce roman. Maintenant, je vais quand même terminer parce qu'il s'écoute encore une fois très bien et la plume est quand même hyper fluide. Enfin, je veux dire, c'est quand même voilà, quelque chose d'important à souligner. Mais je suis un peu déçue du récit en fait, de l'histoire en elle-même. M'attends à quelque chose de plus. Je suis peut-être plus exigeante maintenant, en fait. Je sais pas. Du coup, ma lecture en cours, qui est une lecture papier cette fois-ci, je n'ai pas là. Je vais la chercher, je reviens. Me voilà de retour. Ma lecture papier, c'est donc Un conte parfait de Elisabeth Benavent, qui est donc l'autrice de la saga Valéria. Je vous l'avais présentée dans un unboxing, dans un vlog. Je ne sais plus lequel. Et j'en suis du coup page 299, on va dire 300 sur 500, je crois, il en fait un peu plus de 500. Et je me le traîne. Je me le traîne pas parce qu'il est pas bien. C'est simplement, je pense que je suis pas du tout dans le mood. On est ici sur une comédie romantique, une vraie pure comédie romantique. Effectivement, ça contraste quand même pas mal avec mon mood de thriller, hein. Mais. Je suis pas dedans. Je pense qu'il intervient peut-être aussi au mauvais moment. J'ai pas envie et besoin de lire ça en ce moment, je pense. C'est voilà. Donc en fait, c'est tout à fait personnel. Ça n'a strictement rien à voir avec la qualité, à mon sens, de ce roman. Donc pour moi, en fait, là, mon avis est un peu biaisé. Je pars en tout cas sur cette lecture, sur une bonne lecture, mais pas excellente, comme je vous dis, à cause du fait qu'il arrive au mauvais moment. Donc, encore une fois, mon avis est très subjectif, mais ça, je pense que voilà, vous le savez. Je pense que si vous aimez en tout cas les comédies romantiques, notamment tout ce qui peut être série Netflix, comme ça, très. D'ailleurs, je crois que c'est aussi une série Netflix, hein, Un conte parfait. Il y a une saison, je crois. Enfin, c'est une mini-série, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une mini-série en fait, Un conte parfait sur Netflix. Et il y a aussi évidemment l'autre série Netflix Valéria qui est sortie à la base en livre. Si vous aimez voilà, ce genre-là de série, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Moi je suis fan en tout cas de la saga, la série pardon, je vais y arriver parce que je les ai pas lues. Donc la série Valéria, vraiment je suis fan de l'ambiance, de l'humour en fait qui est dedans, etc. Donc je vous avoue que je passe un bon moment. Parce qu'en fait, effectivement, en lisant là le roman, c'est très visuel. Ce
que j'apprécie beaucoup en fait. Je trouve que déjà la plume effectivement est très fluide, ça se lit quand même très bien, hein. C'est juste moi encore une fois voilà, qui le fait traîner. Mais c'est très très visuel, je le vois tout à fait en fait en série Netflix. Donc je le termine et ensuite je regarderai la mini-série qui est donc sur la plateforme. Mais voilà, à la lecture c'est très visuel et je peux vous dire que c'est plutôt intéressant parce qu'il y a des petites touches d'humour, etc. Où en fait, là on est sur une histoire d'amour, hein, bien sûr, où on suit Margot et David. David c'est un peu le gars qui a raté sa vie, qui enchaîne les petits boulots et qui dort sur le canapé d'un de ses amis. Et Margot, elle est un petit peu là, elle est issue d'une famille quand même assez riche. Ils ont réussi dans l'hôtellerie et la restauration, je crois. Et elle a un petit peu tout dévoué à sa carrière. Elle s'apprête à épouser en fait Filippo, qui est pareil, un peu du même milieu, très beau gosse, italien, voilà, qui a tout pour plaire, qui est parfait en fait. Tout a l'air vraiment cool en fait dans sa vie à Margot, sauf que bien sûr, elle va le planter devant l'hôtel le jour de leur mariage. Elle va avoir une sorte de crise de panique, crise d'angoisse, et elle va tout plaquer, elle va tout simplement s'enfuir. Et suite à ça, elle remet évidemment en question toute sa vie et elle va rencontrer David, je vous dis pas comment, et vous vous en doutez, est-ce que ça va se terminer bien? Telle est la question, tel est l'objet en fait du roman, parce que dès le début on vous dit est-ce que tous les contes, alors je sais plus comment c'est tourné, mais il était une fois, est-ce que tous les contes finissent bien? En gros, je crois que c'est ça. Voilà, il était une fois une femme qui avait tout et un homme qui n'avait rien, il était une fois une histoire d'amour qui finira bien ou mal. Il était une fois un conte parfait, à toi de décider comment il s'achèvera. Et je crois que la construction est assez cool. Je vous dis pas plus, mais comme je vous dis, j'ai l'habitude de lire un peu les derniers chapitres, la construction est très cool. Je vous laisse le suspense, je suis pas horrible au point de spoiler à ce point-là. Donc je vous laisse le suspense, mais franchement, pour l'instant, voilà, j'aime bien. C'est juste que c'est pas une excellente lecture au vu, encore une fois, du moment, de la période pendant laquelle je lis ce roman. Donc voilà, et concrètement, je sais pas si vous aviez compris, mais je sors un peu de ma zone de confort aussi. Parce que les comédies romantiques, j'ai pas trop l'habitude d'en lire. Mais voilà, hein, c'est un partenariat que j'ai avec les éditions L'Archipel où je sélectionne donc plusieurs livres de leur catalogue en fait. Et celui-là me tentait bien, j'avais vraiment envie de découvrir la plume de l'autrice et comme je vous dis, j'ai adoré la saga Valeria, je me suis dit c'est l'occasion. Donc ma foi, je suis plutôt contente, satisfaite de cette découverte pour l'instant. Voilà, j'arrête de parler. J'ai beaucoup parlé là aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vous reprendrai plus tard. Pour clôturer ce vlog, voilà, il n'aura pas été très fun peut-être à regarder, j'en suis désolée. Mais voilà, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Voilà, je vous reprends plus tard en tout cas. Hey, nous sommes aujourd'hui dimanche et je viens du coup clôturer ce vlog qui n'aura pas été incroyable, j'en suis désolée. Je voulais vous faire du coup un update lecture à chaque fois le dimanche. J'ai toujours envie de tourner plein de vidéos et tout, mais... Je suis vraiment pas apprêtée, c'est un délire. Donc voilà, au niveau de mon... Passons, bref, c'est une parenthèse qui se ferme. Au niveau de mon update lecture, j'ai terminé À qui la faute de Ragnar Jonasson, que donc je lisais en livre audio sur Audible, que j'ai écouté et... ouais, franchement j'hésite entre lecture mitigée et flop. Parce que il m'a manqué le suspense, la tension, il m'a manqué cette ambiance angoissante que je pense l'auteur a voulu vraiment insuffler pendant tout le long du récit, mais que je sais pas, en tout cas moi ça n'a pas pris. J'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance particulièrement angoissante dans ce roman. Je trouvais que tout était peu crédible et peu réaliste. Et c'est fortement dommage parce que pourtant j'apprécie beaucoup la plume de cet auteur. J'avais adoré. Sa saga sur la Dame de Reykjavik et j'avais notamment adoré aussi son roman co-écrit avec Catherine Jacobs-Dottir, donc Reykjavik, vraiment j'avais été complètement conquise et je m'attendais à aimer et ma foi, bah, j'ai pas plus que ça accroché. Ces quatre amis du coup qui vont faire une randonnée en fait
en Islande. Il y en a un qui s'appelle Daniel qui habite à Londres en fait, qui revient pour retrouver ses amis d'enfance et tout. Un autre qui s'appelle Gunnlaugur. Ah, j'arrive pas à le dire, ils ont toujours des prénoms un peu particuliers. Et lui, c'est un peu le perdu. Ouais, enfin, il est avec eux juste parce qu'il a pas d'amis, en fait, si vous voulez, mais il a toujours été avec eux, donc c'est un peu par habitude qu'il continue à les côtoyer. Et on a sinon un frère et une sœur, Elena et, j'arrive jamais à le prononcer, Arman, je crois, qui, du coup, sont frères et sœurs et qui, pareil, font partie, en fait, de la bande. Donc il y en a trois, comme je disais, qui vivent en Islande et l'autre, il vit à Londres. Et en fait, effectivement, ces quatre amis, il y a une tension qui, comme je vous disais, est clairement exprimée par l'auteur, mais que moi, je n'ai pas ressentie. Et on sent que petit à petit, les secrets vont se révéler au fur et à mesure du temps, et notamment à la fin, la résolution de l'énigme, de pourquoi, du comment ils se retrouvent à dévoiler leurs secrets, à faire tout un tas de choses, sont révélés vraiment tout à la fin, mais ça ressemblait pour moi un peu comme un soufflet. Je trouvais que c'était pas crédible et pas très réaliste. Ça manquait, il me manquait cet effet waouh, que pourtant j'avais vraiment retrouvé, comme je vous ai dit, dans d'autres romans de l'auteur. Du coup, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce roman. Je suis désolée, j'ai ma voix là, je sens qu'il part en cacahuète. Voilà, à l'intérieur, une découverte macabre changera à jamais le cours de leur existence et de leur amitié. C'est le début d'une longue nuit où les quatre amis voient ressurgir ce qu'ils ont de pire en chacun d'eux. En soi, sur le papier, oui, c'est vrai, dans le récit, c'est ça, mais ça prend pas. Voilà, donc le huis clos était bien, mais pas... pas à la hauteur d'autres huis clos. Enfin, franchement, passez votre chemin si vous cherchez un vrai huis clos. J'en ai plein d'autres à vous conseiller. Et hier soir, j'ai terminé Un conte parfait d'Elisabeth Bénavent. Ça faisait très longtemps que j'étais sur cette lecture. Je pense que j'ai vu sur Babylio, ça faisait 14 jours que j'ai mis 14 jours pour lire ce livre. Et effectivement, j'ai bien aimé, pour le coup, ma lecture. J'ai trouvé que cette comédie romantique où on a Margot, 32 ans, et David, 27 ans, qui se rencontrent à la suite chacun de leurs problèmes, en gros, personnels. Ben, c'était très très chouette. La rencontre était vraiment très vraie, très réaliste, très authentique. Et la pointe d'humour qui est insufflée par l'autrice tout au long du récit, d'ailleurs, était très chouette. On suit du coup Margot qui a fui donc son mariage. Au moment où elle s'apprête donc à épouser l'homme de ses rêves, elle se dit non, je peux pas le faire, et elle part, elle s'enfuit. Et David, lui, c'est vrai qu'il enchaîne un peu les petits boulots, il se fait larguer par sa meuf, il est un peu comme ça dans une, une époque, période compliquée de sa vie, où d'ailleurs, pareil, au niveau du logement, il dort sur le canapé d'un de ses amis. Enfin, il est un peu paumé, quoi, dans sa vie, si vous voulez. Et donc il rencontre Margot, dans une rencontre d'ailleurs qui est, je trouve vraiment très chouette pour le coup, la rencontre. Parce que Margot, elle est très entourée, notamment de ses deux sœurs, qui sont quand même des personnages hauts en couleur. Et vraiment, enfin, les personnages sont très bien travaillés, très attachants, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je pense que c'est pas trop mon genre littéraire. Je voulais tester les comédies romantiques. J'ai bien aimé la morale à la fin. La fin aussi d'ailleurs est très très originale, donc ça pour le coup, vraiment bravo pour ce choix de fin, c'était très chouette. Mais je pense que je suis pas une aficionado du genre. À un moment donné, je trouvais qu'on se perdait un peu trop en pratique érotique. Je me suis dit bon, ok, c'est très réaliste hein, du coup. Si vous avez l'habitude de lire beaucoup de New Romance, je pense que ça vous plaira, et je pense que c'est vraiment un roman qui sera fait pour vous. Mais moi j'avoue que... Alors j'aime bien de temps en temps hein, dans les livres avoir des petites scènes olé olé, mais là il y en avait beaucoup. et je trouvais que c'était un peu au détriment de l'histoire, ou du moins l'histoire après se basait uniquement sur ça et tout, et...
Je sais pas, il m'a manqué un petit truc. Est-ce que c'est le fait aussi que je l'ai lu vraiment lentement, peut-être, parce qu'à un moment donné, je lisais un chapitre par jour. Et comme il fait quand même plus de 500 pages, j'ai mis un peu de temps. Bref, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis en train de m'étouffer en même temps en vous parlant. Je sais pas trop. Il m'a manqué un petit truc, mais les réflexions soulevé par ce roman était quand même très intéressante. Enfin, je trouvais que il rentrait quand même vachement en... J'allais dire, il rentrait quand même vachement en profondeur sans arrière-pensée, attention. Non, mais il y avait quand même de la réflexion autour de certains sujets qui est très chouette, qui est vraiment très bien travaillé, très bien exprimé par l'autrice. Donc, c'était dans l'ensemble une bonne lecture, mais pour moi pas excellente, parce que voilà, à certains moments, je trouvais qu'il y avait des petites longueurs, notamment sur l'enchaînement des scènes érotiques et tout. Je me suis dit, c'est cool d'en avoir, parce qu'effectivement, dans une comédie romantique, c'est normal aussi d'en avoir. Et ça ajoute un peu de peps hein, au récit, hein, c'est plutôt cool. Mais pour moi, il y en avait un peu trop. Voilà, bon, c'est mon avis, encore une fois. Donc voilà pour ma lecture, mes deux lectures terminées. Je voulais vraiment clôturer ce vlog par deux updates lecture, voilà, pour repartir sur de bonnes bases. Et je suis en train de lire du coup À la gorge de Max Monnet. Je n'ai pas pu résister. Il paraît le 9 février et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir en avant-première, donc j'en profite un maximum. Encore une fois, la voix, ça va pas du tout. Donc je vais m'arrêter. J'ai pas lu grand-chose, mais très cool. Je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Je vais clôturer ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait trop plaisir et je sais que je dois vous préparer, que je dois vous sortir, que je dois vous filmer ma vidéo sur mes envies littéraires de 2024. Voilà, elle va mettre un peu plus de temps à arriver parce que j'ai plus trop de voix et c'est un peu compliqué du coup de vous parler avec une voix qui est affreuse. Mais je la prépare, je la prépare. Je veux faire les choses bien et je préfère vous sortir une vidéo qui, je trouve, est quali. Du moins j'estime qu'elle est quali, plutôt que de vous faire un truc un peu à l'arrache, voilà, c'est bon, c'est mon choix. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici, puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!